Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la publicité analysée par le regard du marketing émotionnel. Quoi de plus jouissif que de prendre les leviers qu'utilisent les grandes entreprises et les adapter à votre structure, à votre activité, pour booster et optimiser votre communication. Aujourd'hui, j'ai choisi une pub que j'ai vue sur YouTube et qui est pour la marque Peugeot et plus précisément son service de vente de véhicules d'occasion. On se retrouve tout de suite après la pub. A tout de suite. Génial, elle est propre. Et sinon, pourquoi vous la vendez déjà? D'accord. C'est une bonne raison. Ok, bon, du coup, comme je l'achète, on va dire que vous me laissez ici. Non, non, on va se poser près du lac. Ah bon, bah ça y est, un lac? Juste après le cimetière. Attendez, c'est pas là qu'on a retrouvé. Non, on n'a jamais rien retrouvé là-bas. Voilà, donc dans ce premier plan séquence, on a deux protagonistes, visiblement un acheteur et un vendeur d'un véhicule d'occasion. Et le vendeur n'est vraiment pas quelqu'un de très avenant. On sent que c'est pas quelqu'un qui est orienté vers le discours et qui est prêt à fournir toutes les informations nécessaires pour le client, pour l'aider à prendre une décision dans son acte d'achat. Et du coup, on est dans une situation un peu angoissante. On se demande où est-ce que le client a mis les pieds. Quand on achète une occasion, on ne sait jamais à qui on a affaire. Chez Peugeot Occasion, tous les véhicules sont vendus par de vrais experts. Et jusqu'au 29 avril, bénéficiez de 2 ans de garantie. Voilà, donc dans ce deuxième plan séquence, Peugeot fait bien comprendre à ses clients potentiels que le choix d'un véhicule d'occasion, que cet achat, cet acte, n'est pas quelque chose qui n'a pas de conséquences quand on ne passe pas par un expert. Au passage, on glisse une petite promo, une offre pour rendre le service encore plus important aux yeux du prospect et on crée l'urgence avec une date limite pour une offre, chose qui est courante dans le marketing. Alors bien sûr, ici, c'est l'exemple de Peugeot, mais ça marche pour n'importe quelle activité. Vous devez, en tant que commerçant, en tant qu'artisan, en tant que coach, consultant, vous poser en expert dans votre domaine d'activité et faire bien comprendre par votre communication que prendre quelqu'un d'autre pour acheter un produit ou un service que vous proposez, c'est prendre un risque, au même titre que cet acheteur malheureux prend le risque de se retrouver au fond du lac après le cimetière. Je sais pas quand je rentre, mais parce que ça ne dépend pas que de moi. Allô, chérie? Allô? Il n'y a plus de réseau. Il n'y a plus de réseau. Enfin, dernier plan séquence. L'acheteur reçoit un coup de téléphone qui l'arrange bien parce que du coup il est super angoissé et du coup il n'y a plus de réseau. Et là on voit le vendeur effectivement se moquer de la situation parce qu'il n'y a plus de réseau. Et bien souvent lorsque vous faites confiance à la mauvaise personne, c'est que la personne se moque de vous. Et c'est ce que vous devez faire comprendre à tous vos prospects, que dans votre activité vous êtes un expert, que vous êtes le commerçant ou l'artisan à qui il faut faire appel, de telle sorte de ne pas vous retrouver en face de quelqu'un qui se moquera totalement de vous. Voilà, cette analyse est désormais terminée. Je vais vous proposer effectivement le petit tableau récapitulatif, comme à chaque fois, des leviers et des marqueurs émotionnels utilisés. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse de la publicité sous le regard du marketing émotionnel. Comme d'habitude, je vous engage à liker, à commenter et à partager cette vidéo et à appliquer tous les leviers des grandes entreprises dans votre stratégie de communication sur le web et les réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et je vous dis à très bientôt.